J'ai retenu pour le culte de ce matin quelques versets de l'évangile de Jean, au chapitre 19, les versets 1 à 5. Alors Pilate fit prendre et flageller Jésus. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis ils s'approchaient de lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique numéro 119, « Chef couvert de blessures », le cantique 119, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Ô Dieu notre Père, grâce te soit rendue pour ta parole, où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, troublées, connaissant parfois quelques joies, mais si souvent de grandes épreuves, du corps, de l'esprit ou de l'âme, tourmentés par tant de choses diverses, dans le tumulte et la violence du monde qui nous entoure, nous te bénissons de nous permettre de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. Que la méditation de ta parole mette véritablement dans nos cœurs une lumière nouvelle qui éclaire notre chemin pendant les jours qui viennent et qui nous rende capables d'être dans le monde de meilleurs annonciateurs de ton amour par notre service, par notre témoignage et par notre propre charité.
enfants de l'école biblique vont rejoindre la maison presbytérale où Christal Vanier va préparer une prédication adaptée à leur âge. Aujourd'hui, chers amis, c'est un anniversaire. L'anniversaire du 13 mai 1958. Ce jour-là, il y a 60 ans, la foule algéroise s'emparait du gouvernement général, initiant une crise politique majeure dans notre pays qui devait ramener le général de Gaulle au pouvoir et qui devait voir l'instauration de la Ve République. Depuis 4 ans, depuis 1954, je le rappelle pour les plus jeunes, se déroulait en Algérie, alors française, 3 départements, une guerre d'indépendance, ce que les autorités d'alors appelaient pudiquement des opérations de pacification et de maintien de l'ordre, menées contre des hors-la-loi. La torture, on le sait aujourd'hui, fut utilisée massivement par l'armée française. Pour dénoncer de tels procédés, dès novembre 1954, quelques jours après le début de l'insurrection, l'écrivain François Mauriac, prix Nobel en 1952, prononçait à ce sujet, devant le Centre des intellectuels catholiques français, une conférence qu'il avait intitulée « L'imitation des bourreaux de Jésus-Christ ». Et oui, chers frères et sœurs, de même qu'il y a une imitation du Christ, il y a une imitation des bourreaux de Jésus-Christ. Et la lecture de l'Évangile vient de nous rappeler que Jésus de Nazareth a été fouetté, frappé, insulté par des soldats de la Légion romaine, exécutant docile des ordres donnés par leurs supérieurs hiérarchiques, au premier rang desquels figure Pilate, Ponce Pilate, le procurateur. Victime de ces tortionnaires, Christ s'identifie désormais à toutes les personnes humaines désarmées que l'on bafoue et que l'on violente. Oui, le récit de l'Évangile nous rappelle, sans tomber dans le pathos ou dans l'exhibitionnisme malsain, il nous rappelle que des hommes sont capables de faire souffrir d'autres hommes et que cette violence inhumaine, elle est parfois acceptée, voire même institutionnalisée par le pouvoir de l'État. Il convient donc, chers amis, de protester et d'agir contre la torture. Il existe d'ailleurs aujourd'hui beaucoup d'associations et d'organismes qui luttent dans le monde contre l'emploi de la torture. La Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Ces mouvements sont nombreux. C'est une exigence commune à tous, au nom des droits de l'homme inscrits dans une déclaration universelle qui tend à faire de nous des citoyens du monde. Et la foi chrétienne, elle s'inscrit dans cette requête d'universalité. Voici l'homme, déclare d'ailleurs le procurateur romain en présentant Jésus silencieux, sortant du prétoire où on l'a flagellé et humilié. Voici l'homme, voici tout homme, voici tout l'homme, ce qui faisait d'ailleurs écrire au philosophe Nicolas Berdaïev que l'apparition du Christ est le fait fondamental de l'anthropologie, c'est-à-dire d'une réflexion sur le sujet humain. La foi chrétienne, elle confirme la dignité de la personne humaine en l'enracinant dans la conviction que l'humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu,
Et finalement, c'est cette affirmation biblique qui suscite fondamentalement notre gêne et notre résistance à la perspective de lever la main sur le visage d'autrui ou d'attenter à l'intégrité de son corps. Cette conviction, elle fonctionne comme une instance critique à l'égard de tout geste ou de toute parole qui viserait à abîmer l'humanité de l'homme. Et il se trouve que cette image de Dieu, elle se révèle tout particulièrement dans la liberté du sujet humain, dans sa capacité à mener sa vie d'une manière qui lui soit propre, dans sa capacité d'habiter une parole personnelle et d'entrer en relation avec d'autres. De la sorte, chaque être humain est tenu pour singulier, absolu, irremplaçable, en ce qu'il correspond à un appel personnel de Dieu à l'existence. Or, c'est cet appel, cette relation que Dieu entretient avec chaque être humain dans le cadre de son projet créateur, c'est cet appel qui fonde la dignité de la personne. Et on voit bien alors en quoi la torture en revient à nier cette humanité profonde, cet homme caché au fond du cœur, comme dit la première épître de Pierre, c'est-à-dire pour nous croyants, l'image de Dieu qui demeure en chacun de nous, inaliénable, ineffaçable. Oui, pour une conscience chrétienne, finalement, le scandale de la torture, il se trouve là. C'est cette profonde et mystérieuse ressemblance entre tous les êtres humains et des êtres humains avec Dieu que la torture cherche à défaire par la violence et par l'humiliation au point de briser tout respect de la personne humaine. Mais ceci étant, une fois passé le temps de l'indignation et de la protestation, il convient, je crois, de prendre également le temps, de penser la torture, si du moins cela est possible, tant il est vrai qu'une pensée, même si elle s'efforce de faire preuve de lucidité, elle reste indissociable de sentiments, tels ceux de l'indignation ou de la sensibilité. Or, deux faits poussent à m'interroger. Le premier, c'est que deux millénaires de christianisme n'ont pas nécessairement entraîné l'éradication de la torture, même dans des pays marqués par l'expérience historique du christianisme. Et puis, deuxième interrogation, ceux qui pratiquent la torture, les États, des groupes sociaux, des individus, tentent souvent de se justifier. À leurs yeux, la torture serait inévitable, voire même nécessaire. Elle serait un moindre mal. Je cite par exemple ici le texte d'un aumônier militaire en pleine guerre d'Algérie, pendant la bataille d'Alger. Un prêtre qui écrivait, je cite, entre deux mots, faire souffrir passagèrement un bandit pris sur le fait, et qui d'ailleurs mérite la mort, ou laisser massacrer des innocents que l'on sauverait si de par les révélations de ce criminel on parvenait à anéantir le gang, il faut sans hésiter choisir le moindre, un interrogatoire sans sadisme, mais efficace. Un interrogatoire efficace. Cela fait froid dans le dos quand on y pense. Alors oui, je crois qu'il faut tenter de penser la torture pour en dévoiler les fondements théoriques impensés, inavoués, et j'aimerais souligner trois points. La première logique qui est à l'œuvre dans la torture, c'est celle de la peine, de la punition. Et la torture, punition, est sans doute la forme la plus archaïque de la torture. Son vieux noyau de violence, aujourd'hui recouvert par des strates de rationalisation, mais un vieux noyau qui a fondé nos régimes politiques, juridiques, nos régimes moraux et religieux. Il faut punir. Et cela montre d'ailleurs
l'immense difficulté des sociétés marquées par l'empreinte chrétienne à sortir néanmoins du vieux fond des sociétés pénales qui justifient le mal comme une punition. Il faut d'ailleurs reconnaître que la Bible accorde une place considérable à cette logique punitive sous la forme d'une théologie de la rétribution qui pense un Dieu qui récompense les bons et qui punit les méchants. Et cette conception de la punition, elle reste présente dans nos systèmes législatifs et judiciaires, dans nos politiques pénitentiaires et même, jusqu'à une date récente, dans certaines conceptions de l'éducation qui vont jusqu'à prôner l'usage des châtiments corporels. Et cette idée de punition, il faut bien reconnaître qu'elle est finalement largement admise par l'opinion publique. Au coupable, il faut infliger une peine. Mais c'est bien là qu'il y a problème. Ce qui, dans la peine, est le plus rationnel, à savoir qu'elle vaut le crime, est en même temps le plus irrationnel à prétendre qu'elle l'efface, comme si la douleur infligée pouvait, par magie, faire disparaître la souffrance déjà endurée. Oui, la peine, ce mot si ambigu qui désigne tout à la fois le chagrin, la douleur subie, la punition et l'acte de faire souffrir. La peine, elle voudrait tout restaurer dans une vision pénale du monde où chaque malheur pourrait enfin trouver sa place dans une rétribution générale. Et dans cette perspective de la peine, le magistrat est finalement le ministre de la vengeance et de l'expiation. Or, c'est cette théologie très archaïque de la violence et de la peine que le droit s'est efforcé de refouler. Depuis Job jusqu'à Paul, en passant par l'Évangile, il y a une logique chrétienne qui refuse cette vision pénale du mal comme punition, une punition qui serait nécessaire au maintien de l'ordre du monde. Or, l'idée même de justification par la grâce, elle vient court-circuiter ces logiques d'ordre pénal. La deuxième logique, mais je vais demander à Ferdinand de cesser ses conversations avec ses voisins. Merci. Cette deuxième logique qui rend compte de la torture, c'est la logique de l'aveu, après la logique de la peine. Notamment dans le cas où un groupe humain, à tort ou à raison, se sent profondément victime d'une injustice insupportable exercée par un autre groupe, dans le cadre d'actions terroristes, par exemple. Le tortionnaire, il cherche alors à établir la vérité et la transparence, à arracher un secret et à découvrir ce qui est caché par-delà tous les obstacles. C'est une logique que l'on trouve à l'œuvre dans l'histoire, mais qui malheureusement reste d'actualité. Oui, tout au long de l'histoire, on a fait largement appel à la torture, à la question, pour recueillir des confessions contraintes de la part des accusés, pour recueillir des renseignements sur leurs éventuels complices, à défaut de pouvoir collecter les preuves nécessaires à l'établissement de la vérité. Et dans le même ordre d'idées, s'il s'agit parfois d'arracher au sujet sa vérité cachée, il importe aussi, en d'autres circonstances, de lui faire admettre une vérité qu'il récuse jusqu'au tréfonds de son cœur. C'est d'ailleurs de cela qu'il s'agit dans l'aveu des interrogatoires staliniens, selon un discours torsionnaire de la méthode, afin de produire du vrai, comme l'écrivait Michel Foucault dans un livre intitulé « Surveiller et punir ». L'homme torturé, en arrivant à une conversion intime et totale, livré en affirmant à ce qui va à l'encontre même de sa conscience et de sa conviction intérieure. Parce que la torture, elle se donne alors pour but d'obliger l'autre de l'intérieur. Elle l'atteint dans son statut d'être spirituel. Et à ce moment-là, l'usage de la torture pour faire parler
et pervers, car la parole extorquée apparaît comme étant à l'opposé de la parole au sens réellement humain du terme. Car si elle est matériellement un acte de parole, en réalité elle est le résultat d'une violence inqualifiable, puisqu'il ne s'agit que de faire cracher le morceau. Le bourreau veut qu'on lui dise ce qu'il désire entendre. Or la foi chrétienne, elle nous dit que la parole, elle relève d'abord de Dieu. En nous, la parole est un des traits par lesquels nous ressemblons à Dieu. Et instrumentaliser cette parole, c'est toucher à notre dignité essentielle. Puisque cette capacité de parole, elle nous constitue interlocuteurs de Dieu, interlocuteurs les uns des autres. Parler nous engage, parler nous construit, parler nous fait exister authentiquement. Je n'existe qu'en relation avec les autres. C'est une capacité et une responsabilité magnifique, mais alors contraindre à la trahir sous l'effet de la torture, c'est profaner le reflet de Dieu en nous. Celui qui torture, il cherche à manipuler la parole, soit pour violer le secret de l'être intérieur, soit pour le faire adhérer à une parole qui n'est pas la sienne. Et cette logique, elle va à l'encontre des droits de la conscience, ce sanctuaire inviolable. Et telles ont été les pratiques de tant de pouvoirs idéologiques depuis l'Inquisition jusqu'au régime totalitaire. Troisième logique de la torture qui vise à assurer la maîtrise du pouvoir, c'est la terreur. Oui, la terreur. Dans ce cas, la torture ne s'intéresse pas à l'homme supplicié dans son rapport à la vérité, ni au coupable qu'il faudrait faire payer. La torture, elle vise au maintien d'un ordre social et politique. Oui, la torture, elle cherche à faire peur, à intimider. Elle cherche à terroriser pour faire taire toute protestation et toute résistance. Elle réduit au silence. Elle prolifère d'ailleurs, la torture, à l'ombre des sociétés despotiques. Il y a des États tortionnaires comme il y a des États voyous. Le problème, c'est que même un état de droit n'est jamais tout à fait à l'abri de dérives et d'abus en ce domaine. C'est même le défi auquel une démocratie est confrontée. Elle doit penser et organiser sa défense et sa sécurité, donc penser et organiser la guerre, la police, sans se laisser déborder par la violence et en se refusant à la justifier au nom de principes d'efficacité ou de performance. Cela finalement pose la question de l'exercice du pouvoir. Le pouvoir d'une institution, quelle qu'elle soit, est pouvoir de, et il est aussi pouvoir sur des personnes. Et l'on sait bien que, de même que le pouvoir a tendance à rendre fou, le pouvoir absolu a tendance à rendre fou absolument. Et alors, on a besoin de contre-pouvoir. Et c'est d'ailleurs quand le pouvoir devient fou que le recours à la violence devient plus facilement envisageable. La terreur, elle s'instaure le plus souvent dans un climat de violence et de recul du droit. Elle découle parfois de manière perverse de situations intolérables, d'injustice et d'oppression, de relations totalement perverties entre les hommes. Quand on en vient à utiliser la torture, c'est que très souvent, on a provoqué ou on a laissé s'installer des situations inadmissibles de violence, de haine, de peur. Oui, la torture, finalement, on s'aperçoit qu'elle prend racine dans le terreau bien particulier du mépris et de la brutalité. Et c'est aussi à cette lucidité à l'égard des injustices et du manque de paix que la Bible nous appelle. Ces logiques de la punition, de l'aveu, de la terreur, il faut être conscient que finalement elles travaillent sournoisement les individus et les groupes sociaux.
Il en va donc d'une vigilance de la part de chacun d'entre nous. Car la torture, en fin de compte, ce n'est jamais que le retour à la barbarie. Elle déshumanise ceux qui en sont victimes. C'est évident. La torture réduit le sujet humain à un simple moyen. Torturer, c'est nier l'autre dans sa qualité de personne. Mais l'un des pires effets possibles de la torture, c'est aussi d'amener la victime à une régression existentielle, à se dévaluer pour ce qu'elle a subi, à s'assimiler à sa déchéance corporelle et psychique passagère, à perdre toute estime de soi et à sombrer dans le désespoir. Et de fait, nombre de personnes qui ont subi la torture ont tellement intériorisé le pouvoir qui s'était ainsi imposé à eux qu'ils en sont devenus aliénés à eux-mêmes. Et en cet instant, je pense au suicide d'un dominicain brésilien, Tito de Alencar, qui, brisé psychologiquement par la torture dans son pays, se suicida un beau jour du mois d'août 1974 en son exil français au couvent de l'Arbrel, non loin de Lyon. De son expérience de la torture, il n'était jamais revenu. Mais la torture, voyez-vous, elle déshumanise aussi ceux qui la pratiquent. Le bourreau, il se réduit lui-même à n'être qu'une force de mort et de néantisation opposée à la vie. Et même si on ne peut exclure que le bourreau tire de la souffrance infligée à l'autre une jouissance perverse et sadique, il n'en reste pas moins que le bourreau, lui aussi, est à son tour aliéné. Rongé par ce que Patrick Rothman appelait dans un très beau film sur la guerre d'Algérie, il appelait ça l'ennemi intime, oui, cette bête immonde qui peut conduire un être normal, oui, un être normal, à commettre des actes dont il se serait cru incapable. Oui, d'où l'importance, chers frères et sœurs, de l'éducation, de la culture, des valeurs humanistes, qui ne sont pas l'apanage des belles âmes, mais un bien commun à tous. Importance aussi de récuser les slogans trop faciles. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, la faim justifie les moyens, une injustice vaut mieux qu'un désordre. Oui, face à la torture, la tâche d'éducation est sans cesse à reprendre. J'évoquais au début de ce prêche un anniversaire. Je conclus par un autre. Il y a 50 ans, en 1968, sortait sur les écrans un film de Claude Autant-Lara, tiré d'un récit de Marc Toledano intitulé « Le franciscain de Bourges ». Il racontait l'histoire d'Alfred Stanke, soldat allemand, infirmier militaire à la prison de Bourges, qui, durant les années d'occupation, se comporta en bon samaritain à l'égard de tous ceux qu'on maltraitait et qu'on torturait. Marc Toledano écrivait dans son livre « Mais qui es-tu ? Qui es-tu, frère franciscain ? Et pourquoi risques-tu ainsi ta vie pour des inconnus et même pour des ennemis de ton pays ? Tout homme qui souffre est l'ami d'Alfred Stanke. Quelle que soit sa religion, son origine, sa nationalité, quoi qu'il ait fait pour mériter la prison, plus un homme a de raisons de se trouver ici et plus il a de chances d'être compris et aimé d'Alfred. Oui, ceux qui sont dans la détresse comme toi, Marc, ils sont la joie d'Alfred. Ils sont sa joie. Ce n'est pas seulement lui qui leur apporte le réconfort, ce sont eux aussi qui aident Alfred à faire son devoir. Une plaque est aujourd'hui apposée sur le mur d'enceinte de la prison de Bourges, une simple plaque qui dit « Où il a trouvé la haine, il a mis l'amour ». Oui, frères et sœurs, face à la torture, l'humanité de l'homme face à la barbarie, l'extraordinaire banalité du bien. Amen.